Bonjour les CP, aujourd'hui nous sommes vendredi 5 juin. Alors je vais te demander de comparer deux nombres. Tu vas faire cette comparaison sur ton ardoise. Mon premier nombre c'est 5 dizaines et 9 unités. 5 dizaines et 9 unités. Mon deuxième nombre c'est 5 dizaines et 14 unités. Donc il va falloir comparer ces deux nombres avec le signe plus petit que ou plus grand que. Je te conseille fortement d'utiliser le matériel pour représenter ces nombres. Je veux que tu représentes ces nombres avec les unités et les barres dizaines. Tu mets la vidéo sur pause une fois que tu as trouvé la réponse et on se retrouve juste après pour la correction. Alors, on se retrouve pour la correction. Le premier nombre, 5 dizaines et 9 unités. Je représente déjà les 9 unités. D'accord? Les voici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voici mes 9 unités. Puis, je mets mes 5 dizaines. Hop là. 1, 2, 3, 4, 5 dizaines, 5 paquets de 10. Je passe à mon deuxième nombre. On me dit 14 unités. Voici mes 14 unités. Mais rappelle-toi, 10 unités, on peut les échanger contre une dizaine. C'est ce que je voulais que tu fasses. Allez, c'est parti, on échange ces 10 unités contre une dizaine. Voici donc mon 14, une barre de 10 et 4 unités. Et ça, c'est pareil que 14 unités. Je rajoute mes 5 dizaines, les voici. Et j'ai plus qu'à comparer. C'est parti. Ici, j'ai 5 dizaines alors que là, j'en ai 6. Donc du coup, je devais mettre ce signe-là. 5 dizaines, 9 unités est plus petit que 5 dizaines et 14 unités. Donc, en résumé, si je prends mon tableau centaines, dizaines, unités, je veux savoir combien fait une dizaine en unités. Combien il y a d'unités dans une dizaine? Toi, tu le sais, on rajoute le 0 parce que dans une dizaine, il y a 10 unités. On a bien une dizaine, c'est égal à 10 unités. Donc ça, c'est à retenir. Une dizaine égale 10 unités. Alors, c'est parti pour notre exercice. Donc, tu l'imprimes sur Benelux ou alors tu recopies l'exercice sur ton ardoise ou dans ton cahier du jour. On doit compléter à 10. Donc, 3 plus 1 égale 10. 6 plus 1 égale 10. 1 plus 8 égale 10. 1 plus 1 égale 10. Je te laisse faire l'exercice. Tu mets la vidéo sur pause et tu reviens pour la correction. Allez, c'est parti pour la correction. 3 plus combien égale 10? Il suffit de regarder combien de doigts ne sont pas levés. 5, 6, 7. Donc 3 plus 7 égale 10. Deuxième calcul. 6 plus 1 égale 10. 6 plus 4. Donc à chaque fois que tu as bon, tu mets un petit trait vert. Si tu n'as pas bon, tu mets une croix et tu écris la bonne réponse à côté. Plus 8 égale 10. J'ai 8, donc il me manque encore 2 doigts. Tu as dû mettre 2 plus 8 égale 10. Et le dernier, 1 plus 1 égale 10, 1 plus 9. Bravo si tu as tout bon. Allez, on passe à la suite. Alors, aujourd'hui, on va faire les chaînes de calcul. Sauf que cette fois-ci, on m'a donné la réponse de la fin, le nombre qu'on trouve à la fin de toute la chaîne de calcul. Nous, il va falloir, comme un film, on va essayer de se rappeler des choses et de trouver ce qui s'est passé avant, et puis encore avant, et puis encore avant, etc. Alors, à la fin de mon histoire, j'arrive sur le 14. Pour pouvoir arriver sur le 14, à mon nombre, au nombre que je cherche ici, j'ai ajouté 2. Donc j'ai fait mon nombre plus 2 égale 14. Pour pouvoir savoir quel était ce nombre juste avant, il va falloir que je lui enlève les fameux 2 qu'on lui a rajoutés.
Donc, je vais lui retirer. Comme ça, je vais retrouver mon nombre. D'accord? Donc, je te laisse réfléchir. Je n'en dis pas plus. Si tu as besoin, tu prends ton matériel. Tu mets la vidéo sur pause. Cet exercice, c'est pareil. Il est sur Benelu. Tu l'imprimes et tu complètes. Puis, tu reviens pour la correction. Alors, nous voici pour la correction. Donc, le nombre, à la fin de tous mes calculs, je vais devoir trouver 14. On a dit qu'il allait falloir revenir en arrière. Donc, il va falloir que je lui enlève les 2 que je lui ai rajoutés. Donc, si je les enlève, je fais une soustraction. Je fais moins 2. 14 moins 2. Eh bien, je compte à l'envers. 13, 12. Tu as dû trouver 12. Pareil, 12, il faut que je lui retire les 2 qu'on lui a donnés. 12 moins 2, 11, 10. On continue. Pour trouver le nombre d'avant, il faut que je lui retire les 2 qu'on lui a donnés. Donc je les retire. 10 moins 2, 9, 8. Maintenant, on va vérifier si on a tout bon. On va refaire le chemin comme si on était au début de l'histoire. Au début de l'histoire, j'avais 8. Si je lui rajoute 2, 8 plus 2, ça fait bien 10. Ouf. Si je lui rajoute encore 2, 10 plus 2, je trouve bien 12. Si je lui rajoute encore 2, 12 plus 2, je trouve bien 14. Eh ben, on a tout bon. Allez, on passe à la suite. Alors aujourd'hui, nous allons travailler sur la mesure du temps. Nous allons travailler spécialement sur le calendrier. Je te laisse regarder cette petite vidéo. Tu as vu ça, monsieur Gring? Ça, c'est un calendrier, mon petit Brigitte. Et vois-tu, ça sert à indiquer le temps qui passe. Ouais, je vois surtout un tas de papiers, moi. Eh bien, c'est un outil simple qui divise l'année en jours, en semaines et en mois. Cela permet de se projeter dans le temps et de prendre des repères pour ne rien oublier. Super! On va pouvoir voyager dans le temps! Comme tu y vas, Digi, ça sert surtout à se situer dans le temps. Allez voir ce qu'on a prévu, des dates, des événements. C'est ce que je dis. Voyager dans le temps. Monsieur Robot Ventilo, venez m'aider. Le calendrier représente les 12 mois de l'année qui se succèdent du 1er janvier au 31 décembre. Et une année compte 365 jours, parfois 366. C'est le temps que met la Terre à faire le tour du Soleil. D'accord, monsieur Dring. Mais tu m'as parlé de projection dans le futur. Il prévoit quel événement le calendrier pour demain, hein? Eh bien, voyons, demain nous serons le 20 mars. Ce sera le premier jour du printemps. Waouh, déjà. Eh oui. Et le 27 mars, c'est l'anniversaire de Monsieur Robot. Voilà, c'est noté, comme ça je ne vais pas le dire. Ventilo, s'il te plaît, avance-nous un peu dans le temps. Merci, regarde bien. 1er avril, poisson d'avril, 21 juin, fête de la musique, 14 juillet, fête nationale, et en septembre, c'est la rentrée des classes. Cette année, c'était le 1er septembre. Alors, que dis-tu de ça? Cette machine à voyager dans le temps prévoit vraiment plein de choses. Et le dernier jour de l'année, ça tombe toujours le 31 décembre? Bah bien sûr, comme chaque année. Et puis après, c'est le premier de l'an, la nouvelle année qui commence. Ça va être dur de patienter jusque-là pour faire la fête. Ne t'en fais pas. Tu sais ce qu'il y a le mois prochain. Non, mais c'est pas le nouvel an. Ah non, c'est le début des premiers de printemps. Waouh, mais c'est vrai. Alors ça, c'est une date que je retiens. Et je vais en noter plein d'autres, parce que moi aussi, j'ai un calendrier. Tant mieux. Un calendrier sert aussi à ça. À ne pas laisser passer les bons moments. Alors,
Alors, donc, comme tu as pu voir dans la vidéo, aujourd'hui, nous allons travailler sur le calendrier. Je te l'ai mis sur Benelu, tu peux l'imprimer ou alors tu travailles directement sur celui-ci. Mais on voit pas vraiment bien. Alors, je vais te poser une première question. Je te demande le nombre de mois qu'il y a dans une année. Combien y a-t-il de mois ? Donc, tu peux écrire la réponse sur ton ardoise ou tu la dis à haute voix avant que je ne donne la réponse. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dans une année, il y a 12 mois. Le premier mois de l'année civile, c'est le mois de janvier. On y va, on les récite ensemble. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, le dernier mois de l'année. Et on recommence une nouvelle année. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Je te demande le nombre de jours qu'il y a dans une semaine. Soit, ça, tu dois le savoir depuis longtemps. C'est bon, tu as noté ta réponse sur l'ardoise ou tu l'as dit à haute voix? Donc, dans une semaine, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours. Le L qui veut dire lundi, le premier M mardi, le deuxième M mercredi, J pour jeudi, V pour vendredi, S pour samedi et D pour dimanche. Voici les 7 jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je te demande maintenant d'écrire le nombre de mois de chaque mois. Donc, soit en dessous, au-dessus, comme tu veux. Donc, soit sur la feuille que tu auras imprimée ou soit sur ton ardoise. Par exemple, au mois de janvier, il y a 31 jours. Je te laisse mettre la vidéo sur pause, faire l'exercice et tu reviens juste après. Alors, c'est parti. Janvier, on regarde, il y a 31 jours. Ensuite, février, il y a 29 jours et certaines années, 28 jours. C'est le plus petit mois de l'année. Ensuite, le mois de mars, tu as dû trouver 31. Le mois d'avril, 30. Le mois de mai, de nouveau 31. Le mois de juin, 30 jours. Juillet et août, tous les deux, 31 jours. Et on recommence septembre, 30. Octobre, 31. Novembre, 30. Décembre, 31. À chaque fois, on a un grand mois, c'est-à-dire 31 jours, et un plus petit, 30 jours. Ils s'alternent, c'est-à-dire que c'est chacun son tour. Un coup 31, un coup 30. Le mois d'après, 31. Le mois d'après, 30. Sauf pour les grandes vacances de l'été, juillet et août, ils ont tous les deux 31. Et on recommence en septembre, 30, donc du coup octobre, 31, du coup novembre, 30, du coup décembre, 31, etc., etc. Donc, là on vient de revoir, dans une année, 12 mois, dans une semaine, 7 jours. Les mois de l'année ont soit 30 ou 31 jours, à part le mois de février, qui lui compte 28 ou 29 jours selon les années. Je te demande maintenant d'entourer le mois de juillet. Tu l'entoures. C'est bon, tu l'as trouvé? Allez, c'est parti. Et voici le mois de juillet. Maintenant, je te demande d'entourer le mois de septembre. Et le voici. On continue.
Je te demande d'entourer la semaine du 11 mai. Donc tu cherches le 11 mai et t'entoures toute la semaine qui a commencé par le 11 mai. Donc je te laisse mettre la vidéo sur pause, tu cherches et tu reviens pour la correction. Alors tu as dû trouver, donc première chose, on cherche le mois de mai. On cherche le 11, c'est un lundi. Donc la semaine du 11 mai, c'est le 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, du lundi au dimanche. Voici la semaine du 11 mai. Maintenant, je te demande d'entourer le 31 décembre. Pareil, tu mets la vidéo sur pause et tu reviens pour la correction. Entoure le 31 décembre. Alors, c'est parti pour la correction. On cherche d'abord le mois de décembre, ici, puis le 31, il est ici. Quel jour sera le 31 décembre cette année en 2020? Ce sera un... Et oui, il y a un J, donc ce sera un jeudi. D'accord? On continue. Entoure le 4 octobre. Entoure le 4 octobre. Je te laisse mettre la vidéo sur pause et revenir pour la correction. Alors, on cherche d'abord le mois d'octobre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Il est ici. Et je cherche le 4. Il est ici. Voici le 4 octobre. Et nous serons, comme ça commence par un D, un dimanche. Bravo. Quel jour serons-nous le 24 juin? Donc je te laisse chercher le 24 juin et me dire quel jour nous serons le 24 juin. C'est donc pas très longtemps le 24 juin. Tu mets la vidéo sur pause et tu reviens pour la correction. Donc je cherche d'abord le mois de juin. Puis je descends jusqu'au 24 et je regarde, c'est un M. Ah, est-ce que ça va être un mardi ou un mercredi? Comme c'est le deuxième M, ce sera un mercredi. Donc le 24 juin, nous serons un mercredi. Donc voilà ce que nous avons appris aujourd'hui ou revu. Donc, c'est la leçon 15 que tu trouveras dans ton mini-fichier de mathématiques MHM. On peut mesurer le temps de plusieurs façons. Et la mesure du temps peut se faire comme pour aujourd'hui, on vient de le voir, avec un calendrier. Sur le calendrier, il représente une année. Sur une année, il y a 365 jours et parfois 366. L'année est partagée en 12 mois. Tu t'en rappelles? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça, c'est une année, il y a 12 mois, il faut le retenir. Dans une année, tu pourras compter sur ton calendrier, il y a 52 semaines, attention, 52 semaines pleines, c'est-à-dire du lundi au dimanche. 52 semaines. On l'a vu ensemble également que chaque mois compte 30 ou 31 jours. Sauf février qui est un petit mois. Lui compte 28 jours si c'est une année à 365 jours. Ou il compte 29 jours si c'est une année à 366 jours. Une semaine compte toujours 7 jours. Il faut les connaître par cœur et savoir écrire les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Également à retenir, une journée c'est 24 heures, la journée commence à minuit et se termine à minuit et on passe à une nouvelle journée. Une heure c'est 60 minutes, mais ça on reviendra dessus plus tard. Voilà pour aujourd'hui, prends le temps de bien relire ta leçon, d'apprendre ces chiffres, c'est important pour l'année prochaine. Voilà, je te souhaite un bon week-end et je te dis à lundi, au revoir.